prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009. Prix des Nations Unies Droits de l'Enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009. Prix Africa Numérique de la meilleure série offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009. Je ne veux pas faire la mécanique, je veux retourner à l'école. Un DG, c'est quoi? Moi, je suis le fils. Et puis, c'est pas n'importe lequel. Qu'est-ce que vous faites? Je t'interdis même de penser à ça, Pascal. L'idée, c'est que les enfants puissent le faire dans la meilleure condition possible. Faire la bagarre. Et avec l'enfant d'un ministre. Mon trésor, je trouve ce vélo très joli. Maman, ce n'est pas le plus beau. Maman, c'est celui-là que je veux, c'est le plus beau. Pas de problème, mon chéri. Vendeur, sors-moi ce vélo et fais rapidement un reçu. C'est compris, madame le ministre. Fanny, je t'avais dit que j'allais avoir un vélo plus beau et plus cher que le tien. J'ai voulu un vélo. On me l'a payé. Je suis contente, c'est tout. Ismaël, hein? Comme le Virgile n'est pas là, garde bien mon vélo. Mmh. L'entraînement va bientôt commencer. Ok. Toi, le macaque là-haut, ton clou de vélo là, ça ne peut même pas payer une roue de mon vélo. Donc, tu fais attention. Mais si on fait la course, tu ne verras pas ma poussière. Hey, ce vieux taco-là. Ok, je mise 5 000. Si tu gagnes, c'est pour toi. Ok, pari tenu. Après, on démarre. Hey. Mais 5 000 francs. Fous-moi la paix, tu n'auras rien, espèce d'enfoiré. 8 les coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Pas de retard.
ici. Faut pas dire on, hein. C'est toi et puis c'est bien fait pour toi, ça ne me regarde pas. Fanny, tu connais la nouvelle? Quoi? Le macaque a fait perdre ton vélo. Comment ça? J'ai fait la bêtise de laisser ton vélo pour faire la course avec Gio. Ça ne me regarde pas, hein. Débrouillez-vous. D'ailleurs, je dois ramener Mimi sur mon nouveau vélo. Ce n'est pas un problème, ce n'est qu'un vélo. Le drame, maman, que c'est de ma faute. Entre. Jérôme, tu as brûlé le soap. C'est pas bien. Mais monsieur l'agent, j'étais pressé. Ce n'est pas une raison. Il faut toujours marquer l'arrêt au stop. Descends. Vous irez chercher le vélo au poste. Mais monsieur l'agent, on peut s'arranger. S'arranger. Tenez. C'est bon pour aujourd'hui. Pour ce cinéma-là, il n'y aura pas de pardon. Hein. C'est compris? Jo, tu as fait deux fautes graves. Brûler un stop et corrompre un policier. Et alors, c'est interdit? Oui, tu le sais pas. Je m'en fous. Moi, Jo, j'ai les moyens, je fais ce que je veux. Allez, monte, ça va. On se retrouve le soir chez le tailleur alors. Ok. Oh. Je vais rentrer tout de suite même, appeler madame le ministre pour lui demander son modèle. Ok, merci Clémence. Au revoir. Mais... c'est ma fille qui arrive sur un vélo. Fanny, qu'est-ce qui se passe? Où est ton vélo? On me l'a volé devant la cour du lycée. Quoi? Et le vigile? Il était absent. C'est de ma faute, j'aurais dû le mettre à côté du terrain d'entraînement. Bonjour. Ne t'en fais pas. Hein? Merci Clémence, au revoir. Bon, bonne journée ma copine. Ok, au revoir. Ton papa va t'en acheter un autre. Hein? Choui, qu'est-ce que tu cherches? Mon téléphone portable. Tu l'as pas amené avec toi à l'école? Si, je me rappelle bien. C'est resté avec Mimi, je vais le chercher. Ça doit être certainement elle. Allô, oui, Mimi, c'est toi? Non, c'est Tanti Clémence. Ah, Tanti Clémence, excusez-moi. Ta mère est là? Oui, elle est à côté. Il faut me la passer. J'espère que vous allez bien sanctionner Ismaël pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bon? Comment, Fanny ne vous a pas dit que c'est par sa faute que son vélo a été volé? Tu es sûre? C'est pas ce qu'elle m'a dit. Mais puisque je vous dis que ça s'est passé devant moi. Ma mère est à côté, je vous la passe. Ah, tandis Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Madame la Ministre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hey. Arrête tes histoires et écoute-moi bien. Ton sale rejeton a fait perdre le nouveau vélo de ma fille. Ça c'est grave. Excusez patronne, je ne suis pas au courant. Maintenant tu es au courant. Je vais couper le prix du vélo sur ton salaire. Oh. Ah bah. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu m'as menti. Le vélo a été volé avec Ismaël. C'est vrai, maman, je lui avais confié. Tu as entendu? Je vais te couper 5 mois de salaire. Voyons, Clémence, ça peut arriver à n'importe qui, surtout à un enfant. Ne te mêle pas de ça, Pascal. C'est mon affaire. 5 mois de salaire, c'est clair? Nopoko, Nopoko, oui. Où est ton imbécile de fils? Toi, tu ne fais que me créer des problèmes, hein?
soeur, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ce salaud a fait perdre le nouveau vélo de la petite patronne au lycée. On veut me couper 5 mois de salaire. Au lycée? Et ton ami Vigile, il était où pour qu'on vole le vélo? Hein? Tu as raison. C'est lui qui devrait surveiller le vélo. C'est lui qui doit payer. Je vais aller le voir. Il n'était pas là, papa. Yuki, là. Kingman Mami. Fais sortir le vélo. Heya, man, toto. Tu n'es pas blessé? Ça va? Espèce de petit voyou, tu as brûlé le feu et voilà les conséquences. S'il vous plaît, monsieur, appelez mon papa, c'est le ministre d'État. Ce n'est pas une raison pour que tu brûles le feu. S'il vous plaît, appelez ma maman, son numéro c'est le 70-24-04-64. Hey, bonjour, Kouka. Sale et vilain sabot là. Oh. Si tu ne sais pas faire ton travail, démissionne. Hey, hey, hey. Doucement, hein. Ça ne parle de Mossi là. Ici, tu es sur mon territoire. Il faut savoir parler là. Hey, je ne plaisante pas. À cause de toi, je viens de perdre 5 mois de salaire. Eh, 5 mois de salaire? Là, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, vous allez tous mourir de faim et puis nous allons boire à vos funérailles. Hey. Écoute là, tu n'étais pas à ton poste. Et on a volé le nouveau vélo de Fanny. Nouveau vélo? Ah, c'est donc ça. Attends, j'arrive tout de suite. Hey, tu pars où? Hey, reviens ici là. On va discuter ensemble, voir comment on va payer le vélo. Tu vois Ismaël? Mais c'est le vélo de Vanny. Mmh. Où tu as eu ça? Hey, je sortais et j'ai vu le nouveau vélo. Et comme il n'y avait personne à côté, je l'ai mis en sécurité. Ah! Milène Savon, ouais. Merci beaucoup. Non, pas de quoi. Tu m'as sauvé la vie. Non, merci beaucoup. Ah, voilà. Hey, Ismaël, prends le vélo, on y va. Non, allez-y. Ah.